Eh bien, salut à toi, jeune Minecraftien ou Minecraftienne. C'est un nouveau monde, hein, ça. Tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi il a des yeux bleus et blancs et noirs comme ça? Mais en fait, je suis un personnage féminin actuellement. Donc, ses yeux sont exorbitants, exorbités plutôt. Et elle se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ben, je suis en train de commencer une petite place en fait, pour m'amuser un peu pour moi quoi. Là, j'ai passé un petit moment à faire ça, et j'avais envie de vous en faire profiter. Donc alors, j'ai commencé à faire du terraforming d'abord. Ça, c'est de la pierre, tout ce qu'il y a de plus banal, de la cobble. Je vous montre un peu. Je vais dans Ops, pardon. Option graphique, autre, le temps, j'ai mis jour seulement, détail, dans détail, pluie et neige, non. Ici, la météo, je sais pas trop, j'ai mis sur non, mais je sais pas trop à quoi ça sert, par contre. Et donc là, je suis sur une place que j'essaie de reproduire, qui est celle de, bon, une place qu'il y a vers chez moi, sans doute vous connaissez, c'est la place de la Victoire, à Pointe-à-Pitre. Là, c'est le tout premier bâtiment qu'il y a, tout au bout, sur un des quatre coins de la place. Là-bas sera censé être la darse. Là, ce seront des petits bâtiments. Là, il y aura la grosse préfecture, sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, qui longe un peu la darse, un peu avant que de là à environ là il y ait d'autres magasins, mais ça on verra ça après. On verra ça après. Là-bas on mettra d'autres magasins juste de l'autre côté de la préfecture. Allez. On va baisser de 1. Folle d'édite. Donc ici il y aura une petite allée, une rue. Je vais symboliser d'ailleurs par un petit peu une autre texture. Petit peu comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Et là j'allais passer au toit. Évidemment, c'est pas évidemment aussi réaliste que ça, hein, mais ça va. Je vais passer au toit. C'était censé être une banque qui a. C'est sympa. Normalement, quand on arrive sur ce genre d'endroit, souvent sur les machins, il y a des petits trucs jalonnés comme ça en fait. Bon, et on entre comme ça. Voilà. Et donc là. Et ça là, c'est une banque. Donc vous aurez compris ce que c'est censé être. C'est des carpettes par-dessus des trappes en fer. Donc on va mettre une porte d'entrée ici. La voûte rose, c'est normalement pas comme ça, hein, mais comme c'est un pack de textures spécialement fait pour, bon, ça peut le faire, qui s'ouvrirait de ce sens peut-être. Peut-être comme ça fait un petit effet, vous voyez. Ouais, c'était une porte, une autre porte, mais bon. Et du coup, censé se refermer, quoi. C'est un peu trop rose. L'autre est bien. Du coup. Ok. Il faut qu'il y ait des petits pots de fleurs aussi. Donc, on a 1,12. Quand je serai peut-être en 1,13, mais pour l'instant, c'est les pontillons normaux. Hop, dedans, on met de la terre. Un début.
de feuillage. On met bon une tulipe dedans. Pour le guichet, on remet ça là. Le blanc là, c'est tout prime. Et puis, je peux faire un effet comme ça sur l'angle. Comme ça. Il faut que ça soit une texture assez agréable. Même. Ainsi, ça m'a l'air bon. Bon, on va dire que c'est comme ça. Là, on va mettre quelque chose incrusté dans le bureau, dans le mur, dans le bureau. Hop. Tu sais, ça, c'est une façade un peu. Ouais. Ça fait effet bureau, vous trouvez? Là, j'ai des vitres. Mais je voulais mettre, comme c'est colonial, ce style d'habitat, ça passe pas, hein, je vous précise. Mais on va tricher comme ça un peu. Ça donne un peu d'aération à l'endroit. Si je referme comme ça, quand on arrive, on imagine qu'on ne pourra pas aller parce que c'est l'endroit du privé des gens. Il n'y a pas de pièce en fait. C'est trop fermé là, vous trouvez pas? Parce que quand je casse ça là, ça donne un espace un peu là qui est ouvert on dirait. Donc c'est bon, je laisse comme ça. Du coup, bon, on va garder tout ça comme ça. Et maintenant pour le toit, je vais mettre le toit en pierre comme celle-là. Ça ferait effet tôle, mais bon, vous savez. Bon, ça triche un peu, on ne se rend pas compte de ça, mais voilà, c'est censé être une arche un peu tranquille quoi. Les deux sur le côté, ça fait un petit effet. Et voilà ce que ça dirait pour la première partie. Ici, jusqu'à là-bas, il y a des commerces avec des bâtiments un petit peu en bois, un peu colonial, jusqu'à cette ruelle. Ruelle qui en réalité hein, passe aussi devant ça. Donc ça donnerait un peu ça là-bas là, jusqu'à là. Bon, j'arrive ça. Ben, je laisse ces trucs-là, ça. Quoi que je pense que celui-là et celui-là. Et chaque emplacement là, c'est comment dire, c'est une entrée de. Là, il y a une petite ruelle ici, je pense aussi. C'est des petites ruelles rapides en fait. Il y a des petits magasins avec ici, là. Sur tout ça, c'est des trottoirs en fait. Et donc, on va faire ça. Je vais faire ça. Je voulais vous montrer juste hein, le début de ce que je faisais là. C'est un petit peu bizarre, mais je peux pas faire forcément mieux, vous savez. On le fait comme ça tant que c'est possible. Et je vous laisse apprécier un petit peu au loin commencer. Ah, ouais, quand même. Commencer, bon, je vais camoufler avec tiens, une peinture. En tout cas, quelqu'un a mis un tag. Un graphisme urbain dessus. Ouais, par exemple, comme ça. Tiens, ça va bien. Et on va se dire quand même. Non, c'est ça. On va se dire, peut-être une prochaine fois, on fera la suite. Mais pour l'instant, on va se laisser. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à tous. Et allez, à très bientôt. Bye. C'était Mad.